Non, mais pourquoi il y a tout le temps un cul à la fin? C'est dingue. Le concept est très simple, on doit faire une course tout simplement, les imposteurs doivent tuer tout le monde, le but du jeu c'est qu'il reste uniquement une personne à la fin. La boucle est très simple, on passe de cafétéria, on passe dans le couloir qui va de Medbay, après qui va à Upper Engine, Réacteur, Lower Engine, Electrical, et après on remonte par Storage. Voilà, donc cette boucle là, les imposteurs peuvent trap, ils peuvent saboter, ils peuvent faire fermer des portes, ils font ce qu'ils veulent, totalement ce qu'ils veulent. Au niveau des crewmates, personne n'a le droit de report un corps. Voilà, personne n'a le droit de quitter la boucle. Ils ont juste le droit de courir, tout simplement. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Et le dernier qui reste vivant, il a gagné la course. C'est aussi simple que ça. Allez, donc c'est parti, on y va. Est-ce que je vais être crewmate? Est-ce que je vais être imposteur? Crewmate. Ok, bon, je dois pas me faire tuer. Donc là, pour ce mode de jeu, c'est très simple. On passe par cafétéria. On longe le couloir devant Medbay. On passe par Upper Engine. Réacteur, Lower Engine, Electrical. Donc eux, ce qu'ils peuvent faire, ok, ça c'est fait, ça c'est réglé. Ce qu'ils peuvent faire, c'est couper la lumière et fermer les portes. Ça c'est les seules choses qu'ils peuvent faire, d'accord. Pas de sabotage parce que sinon c'est compliqué. Ok, ça c'est fait. Yannick est mort. Yannick s'était caché quoi. C'était escroc quoi. C'est qui s'était caché là? Ah, on voit pas le nom. Mais il y a des escrocs quand même. Ok, donc là en fait nous on a mis au niveau du kill un cooldown de 10 secondes pour qu'il puisse tuer régulièrement. Et la longueur on a mis long pour qu'il puisse tuer vraiment de loin quoi en fait, que ce soit beaucoup plus facile. Ok, les ont éteint la lumière. Ok, ça a été rapide, rapide de chez rapide. Énorme. Donc ça vous pouvez le faire avec vos abonnés, vous pouvez le faire avec n'importe qui en fait. Voilà, avec vos potes, avec qui vous voulez quoi. Vous pouvez vraiment, ça c'est un mode de jeu vraiment cool, vous pouvez le faire sur n'importe quelle carte, nous on le fait sur cette carte pour que c'est plus facile, mais voilà, vous pouvez le faire sur n'importe quelle carte, avec les réglages que vous voulez. Donc c'est parti, cette fois-ci je suis imposteur. Allez, donc là moi je peux saboter au niveau des lumières, des portes, voilà, je peux vraiment faire tout ça, sauf en fait, sauf faire des sabotages au niveau de, ben, du réacteur, voilà, ça faut pas, on va éviter. Ok, ça c'est fait. Ok, on a Tomito qui est avec moi. Attends, on va enlever les lumières, elles sont où? Attends, on va leur couper une porte. Celle-là c'est inutile, celle-là c'est inutile, ça sert à rien du tout, la lumière on peut toujours pas. Ok, lui il m'attendait. Tout va bien. Alors on va se prendre une petite trappe. Ok, là il n'y a personne ici. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a personne. Attends, on va prendre celle-là. Parfait. Ok, ouais, ces trappes elles sont inutiles en fait. Allez, il me parle à toi. Ok, on est avec Destroyer là. Oh mon dieu! Le kill longue distance, c'est magique! J'avais jamais essayé, les gars. J'avais jamais essayé. C'est la première fois que je le mets pour la vidéo. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est. Ah ouais, non, c'est abusé même. Là, c'est carrément abusé. C'est même pas que c'est pas mal, c'est que c'est vraiment craqué. Ok, avec un petit cooldown. Hop là! C'est énorme. Ouais, je pense qu'il vaut mieux mettre une distance de kill vraiment, je pense. Soit vraiment short, soit médium en fait. Je pense que vraiment c'est le mieux.